Salut à tous les amis, c'est Dean Oliveira, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le début de cette deuxième saison sur FIFA 19, on est à l'épisode 31. Alors j'ai regardé un petit peu les objectifs que j'avais à faire, donc je dois atteindre la phase de poule en UEFA Europa League. Bon ça c'est niveau très faible donc à la limite normalement on s'en fout un peu. Succès national, je dois éviter la relégation en Ligue 1. Donc bon, ça devrait faire. En deux saisons, en Ligue 1, Conforama finir en milieu de tableau. Donc ça devrait se faire également. Coupe nationale, atteindre les 16e, ça devrait se faire. Financier, terminer la saison avec une marge bénéficiaire de 20 millions. Là, ça risque d'être un peu compliqué. En l'espace de trois saisons, augmenter le nombre d'abonnés d'au moins 10% de la capacité du stade. Ça... C'est pas vraiment de mon ressort, hein. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas à moi de décider de comment faire. Et le développement des jeunes, en deux saisons, faire qu'au moins un joueur du centre de formation recruté lors de leur première saison dispute au moins 50% des matchs la saison suivante. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai recruté Mancini, par exemple. J'ai recruté qui d'autre la première saison? J'ai recruté... Ah, comment il s'appelle? Belcourt. Donc, par exemple, rien qu'avec Belcourt, je suis sûr que ça, c'est faisable. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, les gars. On va tout de suite faire un transfert. Je sais que vous attendiez son retour. Gaëtan Robail. Sauf que cette fois, il sera pas là en prêt. On va l'acheter, mais direct. On va essayer de l'avoir pour 1 800 000 ou 2 millions. On verra bien. Oh mon dieu. Il est moche. On va essayer de l'avoir pour 1 800 000. Hop. 1 800 000. $2 500 000. C'est mort. $2 200 000, sa valeur de base. $2 300 000. Faisons un compromis. $2 250 000. Le mec qui va juste faire chier pour 50 millions. Enfin, 50 millions. Tu sais, en 50 millions... 50... Enfin, 50 millions. Non, c'est pas 50 millions, c'est 50 000. Je suis con. Le mec qui va faire chier pour 50 000 euros, mais je suis désolé, 50 000 euros, tu te fais une année tranquille avec, hein. Enfin, je veux dire... Hop, 2 250 000, ça te va? Affaire conclue. Très bien. On n'a plus qu'à négocier son contrat. J'espère juste qu'il va pas me dire... Titulaire indiscutable parce que il y a beaucoup de joueurs au poste de milieu offensif. Donc ça risque. Ouais, bah c'est indiscutable qui veut. Ça risque d'être quand même compliqué de le mettre indiscutable. Mais bon. D'un autre côté, il y a Claude Maurice qui se crève assez vite, donc ça devrait être faisable en fait. Ça devrait être faisable, les gars. On va ignorer la clause de libération. 18 500 euros par semaine. Alors, je veux juste modifier un peu le salaire. Hein, parce que 18 000, on est d'accord que c'est beaucoup. Hein. Voyons voir 16 000. 18 000. Bon. Ok, très bien. Je fais pour vous, les gars. Hein. Parce que 18 000, ça fait un petit peu mal aux burnes. Donc, là, c'est la liste de tous les joueurs potentiels que j'ai envie d'avoir dans mon équipe. Je dis bien potentiel, les gars, parce que c'est pas sûr que je vais tous les prendre. Hein. Gomez, Ivan Gomez, je pense que je vais le prendre, parce qu'il est juste abusé. Enfin, je l'ai dans une autre... Dans une autre partie, il est juste abusé. Lui, peut-être, parce que bon, il est en agent libre, il est gratos, quoi.
Et là, en buteur, soit je prends Woolley, soit je prends Solanke, mais je pense que je vais plutôt partir sur Woolley. On verra, parce que Woolley, en fait, bah déjà c'est un Chinois. Faut savoir que j'aime bien avoir une équipe que pas tout le monde n'a, en fait. Donc, je pense que je vais partir sur Woolley, sachant que on verra, en fait, parce que j'aimerais bien quelqu'un qui soit rapide pour un peu, on va dire, compléter Julan, parce que si, par exemple, Julan, l'effet montagne de muscles, menace aérienne et tout ça, ça fonctionne pas, peut-être que l'aspect rapide technique, ça pourrait fonctionner. Donc, je vais voir qui est le plus rapide entre les deux, en fait. J'attends juste que mes recruteurs, je crois, me disent un petit peu ça. Et je vais regarder pour avoir un MOC supplémentaire entre eux deux. Je verrai bien. Mais là, par contre, je vais les prendre en prêt, ces deux-là. L'un des deux, hein. Ce sera pas les deux, ce sera l'un des deux, mais j'attends de voir leur général final. Donc voilà. Une chose, sachez juste une chose, c'est que Ivan Gomez, c'est quasi sûr, enfin c'est sûr que je vais le prendre en fait, c'est pas quasi sûr, c'est sûr. Justinho de Melo, certainement, c'est quasi sûr, parce que bon, il est gratos. Et là, ben, ça va se jouer à qui aura le plus de vitesse et d'accélération. Donc voilà. Du coup, on a. Hop. On a Robail qui est de retour. Qui est-ce qu'on va virer? On va virer Bozikov de là. Bon, j'aimerais bien faire un petit peu de rangement, si possible. Merci bien. Tac et tac. Voilà. Ça devrait aller comme ça. Hop. Oui, on apporte les modifications. Et tant qu'on y est, je vais sortir un jeune du centre de formation. Je vais sortir Xavier Renaud. 1m92. On peut pas dire que. Voilà. On le promouvoit en équipe senior. Contrat accepté. Ok. Tac. On va juste voir si il a un truc particulier, mais ça m'étonnerait. Non, il a pas de truc particulier. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Juste, il est le Konaté. Je pense qu'on va. On va peut-être l'ajouter à la liste de transfert. Parce que ben, deux gardiens, moi, c'est suffisant. Je veux dire, les gardiens, ils se blessent en général pas. Si vous simulez pas vos matchs, ils se blessent pas. Donc, voilà. Niveau défenseur gauche, c'est bon, j'ai ce qu'il faut pour l'instant. Niveau défenseur droit, j'ai ce qu'il faut. Défenseur central. Il m'en manquerait un parce que Nestor il est en milieu défensif. Milieu défensif, il m'en manque un. Même si j'ai Thomas Chevalier. Mais de toute façon, j'en ai que trois. Donc ça change rien. En milieu offensif, on en a donc 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5. Plus celui que je veux prendre en prêt, ça fait 6. Donc c'est bon. En buteur, on en a 2. Plus celui que je veux prendre supplémentaire. Ça ferait 3. Et peut-être que je vais prendre celui qui est libre. Donc ça ferait 4. 4 buteurs. C'est quand même. Hein. Il y a moyen, je pense. 4 buteurs. On est large. Peut-être même que Mosen, il pourrait dégager, hein? Alors, Bozitar Bozikov, il veut jouer. Pinto, il veut jouer. Oh là là, il commence déjà à me faire chier. À peine on commence. Très bien, vous allez jouer.
Vous allez jouer, bande de merde. Bon, on y va. Très bien. Alors, hop, gestion d'équipe. Hop, Paloma, tu vas laisser ta place à Pinto. Barret, tu vas prendre la place de Cuffo. Miura, tu vas laisser ta place à Bozikov. Zidane, tu vas laisser ta place à Konaté. Et on va faire jouer Belcourt à la place de Claude Maurice. Et puis je pense qu'on va partir comme ça. Allez! Konaté, Barrett, Bazikov, Nakayama, Pinto, Nestor, Masson, Robail, Wang Bowen, Belcourt et Julan. C'est parti, mon kiki. En tout cas, cette nouvelle saison co va commencer directement avec le retour de Gaëtan Robail. J'espère qu'il va me mettre directement des buts. Mais bon, notre principale source de buts, je le rappelle que c'est Wang Bowen, hein, évidemment. Donc, Ces deux équipes qui vont donc voilà. disputer la première compétition Alors, de la on va saison. jouer La Coupe contre européenne internationale Kilmarnock, qui permet aux équipes d'affiner leur inconnu au préparation. bataillon. Rien vaut une vraie Après, compétition pour savoir où on se situe. je connais Un pas petit toutes les mot équipes, hein, sur ça c'est les deux sûr. équipes. Sur le papier, c'est très équilibré. Oui, on peut en effet s'attendre à un Bon, match très je sais pas du équilibré. tout L'équipe qui si marquera le premier ils aura sont probablement super fait le bons plus dur, ou c'est pas. clair. Vous découvrez maintenant la Normalement, composition d'équipe. ils sont. Il s'enfonce. Le tir. Oh bah merde. Oh là là, on a failli assister vraiment Je me suis dit, à l'ouverture du bon, score en tout début de vas-y, match. essaye. Ouais, on l'a senti un peu Mais en bon. panique, comme s'il était surpris d'avoir une si belle occasion d'entrée de jeu. Sais même plus ce que j'allais dire. Hein. Oui, je connais pas toutes les équipes, hein, ça, forcément. Hop, Oh, il Julan. est passé, il va pouvoir Julan qui est marquer. passé deux fois! Oh Allez! cette On commence rencontre. cette nouvelle Une saison rencontre parfaitement qui démarre avec un à but fond. de Un coup dur Julan. pour l'autre C'est équipe. En parti! gros, c'est comme si elle commençait son match avec un Premier but en but, retard. quatrième minute. Alors, faut savoir que je Le me suis pas buteur qui avait encore signé mis guéri tout seul au s'est niveau parfaitement supérieur. lancé Hein, après le but d'Abbas, le gardien. je me donne encore la pré-saison en niveau pro. Je vous laisse Et de toute façon, apprécier ce but je le comme il se ferai en doit. vidéo, les gars. Hein, je me mettrai au niveau supérieur dès le début de la Ligue 1. Voilà. Quoique, c'est peut-être à la Coupe des Champions ou un truc comme ça que je vais mettre au niveau supérieur à ce moment-là. Il me semble, enfin, on verra. On verra, les gars. Si on Voilà, a le un score qui match est de donc coupe, ouvert, 0. on mettra le niveau supérieur à ce moment-là, sinon ce sera au début de la Ligue 1. Hop. C'est quand même bien d'avoir. Un Aïe! ballon qui est C'est quand perdu. même bien d'avoir un MOC qui est aussi Ah, c'est bien polyvalent dégagé parce devant, on va que. pouvoir Enfin que s'enfoncer. Wang Bowen parce que il a quand même Allez, de on a le ballon grosses qui est du qualités monde. Il n'y aura défensives, mais personne aussi à la retombée de offensives. ce Du centre. coup, ben Et ce forcément. ballon qui est perdu. Ça aide. Le tir, Hop là, merci oh, bien bien. négocié par le gardien. Bah, là, pour l'instant, de toute façon, je fais jouer les gardiens Oui, il a bien lu le jeu. qui vont Ballon pas forcément intercepté. jouer durant la Ligue 1, donc c'est normal. Je fais un peu tourner, hein, les gars. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire hein, dans les trucs d'intersaison comme Hop, ça. c'est bien donné ça. Allez, Wang Il aurait Bowen! vu l'appel Allez, d'appel. Wang Bowen! Allez, Wang Dommage. Bowen! Ah non, Putain! Elle est pas dommage. passée loin, je Je crois crois qu'il qu'elle est n'est pas détournée. cadré. Non, non, elle est pas détournée. Elle est pas passée loin quand même. C'est dommage. Bon, Elle était bien placée pour Merde. intercepter J'aimerais cette juste passe. récupérer la balle, merci. Ouais, Hop. peut-être une situation Gaëtan intéressante Robail. là. Ah, il s'est Hop. jeté sur le ballon. Tac. Attention, ça Allez! reste au fond. Et le but Toutes les de surpasses très faciles. Captain Après, c'est pas Bowen! grâce au gardien, non, c'est propre, Surpasse on va dire. décisive de Gaëtan Robail, évidemment. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est le capitaine hein, qui montre Donc du coup, l'exemple t'as sur ce Gaëtan but. Robail Ouais, ça a sur l'air le que c'est la côté, bonne méthode de le côté jeu. droit et Belcourt sur le côté 2-0, ils gauche. ont à présent une avance confortable. Ça va, hein Belcourt sur le côté gauche, Gaëtan Robail sur le côté droit, Wang Bowen au milieu. Ça fait un bon petit trio offensif, ça, avec Julan en pivot et en soutien au cas où.
Ils font tourner en attendant une brèche Ça, dans cette c'est défense. vraiment pas mal comme système. Puis c'est ça aussi que je voudrais un gars rapide. Parce que, bon, Wang Bowen. on est d'accord que Claude Maurice, Ouais, lui, il ça pourra pas jouer passe. tous les matchs. Hein, ça c'est Ça sera sûr. donc une sortie de but. Mais c'est pour ça qu'il me faut Même moment pour deux ouvrir gars ce but. rapides. Parce que pour l'instant, j'ai que Claude Frappe lourde Maurice sur la qui est droite dans la surface. abusé niveau vitesse. Donc bon, si je peux en avoir un deuxième qui est genre vers les 85 de vitesse, enfin au moins plus de 80 quoi, Allez, il y a du monde ce serait autour de vraiment lui, il pas y a mal. peut-être un coup à jouer. Hop là, merci bien. Allez, il y a du monde pour Hop reprendre. là, Et merci une frappe bien. Allez, imparable. le 3-0. Très belle tête, hein. Le Magnifiquement relevé. 3-0 et je crois Ah, que c'est c'est un but signé superbe vue de Masson. la tête qu'on revoit Encore sur ce passe décisive ralenti. de Gaëtan Robail. On vous laisse admirer J'ai bien fait de le le reprendre timing, la lui. finition. Ah, elle est belle cette action, Pierre, me plaît. Oui, tu D'ailleurs, parles je du me centre, demande mais pourquoi que dire de cette tête, hein? j'ai mis fin à son prêt. Je me demande Ah, pourquoi le j'ai mis match a fin à son clairement prêt tourné quand il était maintenant. encore chez nous. Enfin bon. D'un autre côté, j'aime pas forcément les prêts. Hein, pour moi, les prêts, ça veut dire Cette que coupe le mec, européenne internationale potentiellement, qui est il va le plus dernier revenir chez acteur de toi après. cette phase de préparation. Donc Ouais, c'est là, bien bon, parce que ça a ça permet été. aux joueurs On de vivre m'a. ensemble une compétition avec moins de On m'a pression. pas. Et pour le reste de la saison, ça reste On quand m'a même une pas trop fait compétition. chier sur le Il fait s'avance vers la surface. de le récupérer. Ouais, la frappe. Bon, ça, c'était C'est frappe. sans problème pour le gardien. C'était une frappe de merde, mais bon. Alors par contre, je suis beaucoup trop sur la droite et pas assez sur la gauche. Allez, il a de la place dans le couloir. L'arbitre a Bah, sifflé, il a j'étais levé même son pas hors-jeu, drapeau. j'étais même pas Ah, il y avait un hors-jeu. boulevard devant lui, c'était trop beau. J'étais pas hors-jeu, mec. Je crois pas que j'étais hors-jeu, hein. Enfin, en tout cas, bon, moi, je vois ça sur petit écran parce que je suis en train de tourner, mais... En tout cas, sur le petit écran, ça fait pas hors-jeu, hein. Hop! Julian qui récupère! Ah, dommage, Ouais, il s'est pas il s'est fait embêté, prendre clairement, au c'est un niveau coup. du physique, Wang Bowen. C'est dommage. Bon. En tout cas, pour l'instant. Wang Bowen. Pour l'instant, les petits changements que j'ai pu faire, ils sont vraiment pas mal. Ouais, bon. Pourquoi pas? Allez, on récupère. Blin, Bon bliette. tacle, mais ce n'est pas fini. Bliette. Bon, essaye de récupérer cette balle, s'il te plaît. On va jouer 3 Merci. minutes de plus. Bon, c'est bon, 3 minutes de plus. Pinto qui monte d'un cran. Et Barrett. Barrett qui est là, Barrett qui est présent. Oh, superbe ce tacle, hein, non? Mi-temps donc Bon. ici, avec Mi-temps. donc déjà 3 buts d'avance. C'est déjà Heureusement que 3-0, ce n'est c'est pas déjà encore pas mal. plié, mais ça en prend tout de même le chemin. Franchement. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Et comme toujours, il s'est mis au service du collectif en adressant plusieurs passes décisives. En tout cas, l'entraîneur a l'air extrêmement satisfait de lui et de son rendement. Oui, je suis satisfait de Robail. Il a fait deux passes décisives directement. C'est honnête, hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. C'est honnête. Bon, on reprend le match directement, hein. On va pas encore faire de C'est changement. reparti Pour pour l'instant, 45 minutes ça n'aurait aucun avec un sens. petit peu plus de suspense si possible. Ah oui, j'espère, parce que sinon c'est moins intéressant à Hop, suivre. on va essayer, je dis bien essayer, de faire jouer Xavier Renaud, je crois qu'il s'appelle Xavier Renaud, je suis plus sûr. Le troisième gardien là, enfin le troisième qui maintenant est le deuxième, n'est-ce pas? Xavier Renaud, à Magnifique, mon le avis, contrôle il parfait. jouera dans un premier temps les matchs de coupe. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un Et petit peu le bloc hop défensif qui est là, très compact. je l'ai récupéré tranquille. Et peut-être quelques matchs de Ligue 1. Mais voilà. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Le Et poteau. Konaté, ben, on verra Ouais, bien. quel but! Konaté, Magnifique! je sais pas.
Je sais pas quand est-ce que je vais le faire jouer. Franchement, j'en sais rien. Parce que l'UEFA Europa League, c'est trop important pour que je le fasse jouer. Donc voilà, c'est assez compliqué en fait. Hein. Alors, voyons voir qui est-ce que je vais changer pour l'instant. Tac, tac, tac. On va peut-être encore attendre un petit peu, hein? Je sais quels sont les changements que je vais effectuer, mais je vais attendre un petit peu. Christophe Bellecour, tranquille. Je rappelle, Christophe Bellecour, on peut l'imaginer comme régène de Captain Roudet. N'est-ce pas? Parce que bon, ça a MOC, c'est aussi... je le trouve... physiquement, c'est pareil, oui, j'ai envie de dire. Il l'a vu, choisit la frappe. Une belle situation de contre. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a faute là. Il y a faute, pas de carton, mais coup franc, ça c'est sûr. Mais what? Un nouveau joueur va faire son entrée sur la pelouse. Oui, on est... Ok, on va faire deux changements. Les deux premiers changements. Et ça va être Bellecour, on va mettre Claude Maurice à la place. Et Robail, on va mettre Mancini à la place. Hop. J'espère bien sûr on fait déjà ces deux changements-là. Très vite dans le vif du sujet. L'entraîneur qui fait signe qu'il veut changer. Ce sont deux nouveaux joueurs qui vont entrer. Ils ont fait deux, tous les deux un bon match. Enfin, surtout Robail qui a fait un bon match. On va voir un petit peu ce que donne Mancini et Claude Maurice. Bon, Claude Maurice, de toute façon, lui, il n'y a pas de contestation possible. Hein, il va me faire du sale. Lui, c'est sûr. Allez, ça joue encore, mais la défense est en place. Hop. Bon, il peut centrer. Ouais, enfin, centrer avec autant de personnes. Il cherche un coéquipier dans la surface. C'est la meilleure solution, c'est il a eu raison. Ouais, franchement, facile la récupération. Franchement. Boum ! Le gardien qui repousse. C'était pas loin. Il dégage. C'était pas loin. Il va y avoir un changement, Pierre. Ah, c'était la meilleure chose à faire. Bien, nous aussi, on va faire des changements. Pinto et Barrett. Vous allez laisser votre place à Paloma et Cuffo. De toute façon, on peut faire tous les changements qu'on veut, hein, les gars. Hein, donc, autant les faire. Pour voir un petit peu ce que vaut l'équipe, etc. Ouais, mauvaise passe, ce sera une touche. Voilà, je me suis foiré, mais ça, c'est normal. Quel enfoiré! Hop là, merci bien. Il est sur la trajectoire. Les 20 dernières minutes, hein, nous y sommes. Hop, réussi à récupérer. Claude Maurice, qu'est-ce que tu me fous? Ouais, coup franc, il a fait faute. Ouais, il combine à deux. Ouais, la boum frappe. Le gardien qui attention. Non, ce sera finalement hors jeu. Comment ça, j'étais hors jeu? Montre-moi les images, monsieur. Ah oui, très bien. J'étais très bien en jeu. Il n'y a pas de souci. Wang Bowen, je vais le remplacer par Chevalier. Je vais voir ce que donne Chevalier en milieu offensif. Qui sait? Je pourrais peut-être être surpris. Allez, le changement, donc on va voir ce que vaut Mancini en... Mancini. Chevalier en milieu offensif central. On va voir, hein, si ça se trouve, il va être super bon. Bon, après je l'ai plus spécialisé pour qu'il soit en milieu défensif, mais bon. Bah alors les gars. Wilson. Hop. On récupère Pépère pour repartir. Fait chier. Rends-moi ça! Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement.
Mais ouais, bordel! Bon, Konaté qui récupère, mais bon, en même temps, ça lui est arrivé sur la tronche, j'ai envie de dire. Et on arrive dans les 8 dernières minutes du temps réglementaire. Je crois qu'il était hors-jeu. Il était hors-jeu. Hors-jeu, dommage, la voie était libre, mais il y avait hors-jeu. On met Mosen à la place de Julan. Il va y avoir un changement, Pierre. Ouais, l'entraîneur qui préfère injecter du sang frais. Pour faire le dernier changement. Le voilà qui va sortir. Il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match. Performance. Il peut l'être. Il peut être satisfait, ouais. Ça aurait été qu'une formalité, en fait. On va voir ce que donne Marwan Mosen. Non, je me marre pas du tout. Allez, Mancini. Tuffaut qui est là en soutien. Non, ça c'était nul. Pourquoi tu l'as passé là? C'était sur la gauche qu'il fallait le passer. On voit qu'une équipe a décidé de faire bloc devant. Le but de Marwan Mosen. Voilà. Le gars, il vient rentrer, il marque direct. Bim. Qu'est-ce qu'il y a? Ça permet de soigner les stats. J'ai montré que, en gros, t'imagines, là, je suis en train de prendre la voix de Mosen. Ouais, j'ai montré que je me suis bien intégré dans l'équipe. Ah, ça a pris quasiment un an, hein, mais on peut pas dire que les deux derniers mois que j'ai passé en Ligue 2, j'ai fait que de la merde, hein. Donc j'ai retenu la leçon, hein. Bon, en vrai, il doit pas du tout avoir cette voix-là, hein, le mec, mais voilà. C'est là, t'imagines le gars, lambda, il va sur internet tranquille, il regarde un petit peu s'il y a des vidéos sur lui, puis il tombe sur celle-là, puis il fait « Mais il se fout de ma gueule, là, le mec !» Allez ! Ça, c'est effacé ! Bim ! Et bim ! Bon. C'était nul, je l'avoue. On s'est quand même imposé 5-0, hein, c'est quand même raisonnable. J'ai envie de dire que on est large. On est très large. Bon, et ben 5-0 pour cette première confrontation de cette deuxième saison. C'est très bien. Un petit 5-0 des familles. Offre de transfert pour Hilel Konaté. Merci pour la confiance. J'apprécie vraiment que vous m'ayez écouté. Blablabla. Alors, offre de transfert pour Hilel Konaté. Il m'en propose 170 000. Donc, vas-y, quoi. J'ai envie de dire, j'accepte. Ça sert à rien de... Ça sert à rien de dire non. Qu'est-ce que j'allais faire en plus? Offre de transfert pour Miura, ça par contre, c'est mort. Je suis désolé, mais c'est mort. Parce que Miura, c'est ma charnière centrale. Mon défenseur central. Je ne peux pas l'enlever. Ça, c'est impossible pour moi. Et c'est parti pour le deuxième match. Et là, ça va être la merde. Bon. On va tous les deux jouer en extérieur parce que ça va pas le faire sinon. Il est très classe leur maillot extérieur. Très très classe. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, Miura, tu vas jouer avec... Bah avec Nakayama. Hein, on va pas chercher plus loin. Chevalier, tu vas jouer à la place de Masson. Barrette, tac... Renault, tu vas jouer à la place de Zidane. Bon, Barret, il va rester. Ouais, il va vraiment me falloir Il va vraiment me falloir des joueurs, en fait. Il va vraiment me falloir des joueurs. Si ça se trouve, je vais peut-être devoir prendre plus de joueurs que ce que je voulais prendre. Dites-moi dans les commentaires si je dois prendre le petit bonus, le petit coup de pouce financier des familles. Dites-moi si vous voulez que je le prenne et que je m'achète un gros joueur ou plusieurs joueurs à fort potentiel. On verra.
Enfin, là, à fort potentiel, je veux dire, j'en ai déjà pris pas mal, hein. J'ai Claude Maurice, j'ai Miura, j'ai Nakayama, j'ai aussi Julian, hein. Enfin, pour moi, fort potentiel, c'est tous ceux qui peuvent aller au-dessus de 76 de général qui, potentiellement, peuvent être de bons joueurs Ligue 1, quoi. Parce que, bon, voilà, on est en Ligue 1. Hop, donc jouer match, bah écoute, c'est parti. Donc voilà, si vous avez. Si vous voulez que je prenne le coup de pouce financier, je le prendrai. Après, j'aimerais bien continuer de jouer avec Wang Bowen parce que c'est mon dragon sacré, hein. Le dragon sacré qui sacre tout. Le début, les débuts de Suite Renault. de la Coupe européenne internationale avec ce deuxième match de poule. En. On va voir qui arrive à En prendre tant le que dessus sur gardien, son on va adversaire. voir N'oublions pas ce qu'on qu'il est quand même vaut. en pleine phase de préparation. Franchement, j'en sais rien. Un petit Mais pronostic après peut-être, Pierre? On l'attendait 1m95, celle-là. Bah, pour autant, on ne normalement, ça voit pas devrait le faire. grand-chose. Hein. Les deux formations sont du même niveau. On peut jouer sur un coup de pied arrêté, cette Ça devrait affaire. le faire, Toi, ça tu vois, devrait je le me moule faire. pas trop. Hop, Marouane L'équipe, Mosen qui elle donne y va en direct à faveur. Rebail. Schéma classique pour cette équipe. Un 4-4-2. Et j'ai pas C'est de réussi à plus la en plus rare que les équipes récupérer, parce que je débutent en suis une 4-4-2, chiotte. mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Bon, malheureusement, le problème, c'est Et qu'en découvrons milieu maintenant la composition défensif, d'équipe. j'ai vraiment plus rien. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses J'ai vraiment joueurs plus rien, en 4-5-1 fait, en aujourd'hui, milieu avec une défensif. défense à 4, un milieu assez dense à Parce que 5 et un seul si attaquant de pointe. Masson et Nestor sont crevés, Ouais, il bah, l'avait senti venir la je talonnade. peux pas vraiment compter encore sur. Peut-être une bonne opportunité, attention. Sur Thomas Ah, la Chevalier, passe parce est que c'est interceptée plus mais un reperdue. milieu central qu'un milieu défensif, même si j'essaie d'augmenter sa défense. Donc bon. D'ailleurs, ça se voit, hein, son placement, il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus haut que celui de Masson. Allez! Ah! J'ai l'impression que c'est une bonne équipe en face. J'ai l'impression, hein, si ça se trouve, c'est La moi qui bonne joue comme une interception. merde. Ce qui est aussi possible. C'est Ah, aussi les Valents qui possible, vu continuent après ce que. tacle, les Mais Valents qui hey, quand rentrent. même! Je fais crochet! Il bronche pas, crochet, double crochet, bronche pas, triple crochet, bronche toujours pas. Le mec, il y a un Et ils veulent moment. faire sortir la défense, hein, c'est clair. Le mec, c'est un Ça robot, circule quoi. bien, ça circule bien, Le ça mec, fait il est courir là. Non, l'adversaire. je sais ce que tu vas faire. Ouais, superbe ce geste Denied. défensif. Accès refusé. On va te tirer dessus. Ah, tu l'auras bien cherché, espèce d'enculé. Ah, il y a Merde, même de l'espace risque de devant. me faire ban. Il n'a Ah! pas pris de Et risque. galère! Corner. Alors, pourquoi c'est Wang Bowen qui tire Il me semblait que c'était Robeck que Et j'avais mis. corner en direction du point de pénalty. Eh merde! Il a un petit peu d'espace, il peut centrer. Hop! Ah, il se prend pas de Enfoiré! pression. Long dégagement. Wang Bowen. Tire. Le Le ballon qui sel! sort en J'y corner. Ce salais! sera peut-être une occasion. Ah ouais, là c'est Claude Maurice. Faudra que je change ça en off. Corner adressé au Pour niveau du mettre. point de Parce que pénalty. normalement ça doit être Un gardien Robail qui se qui. frise Est... sur cette tête. Enfin, C'est le comme ça, les milieu buts faits. offensif Hein. droit Ouais, ça n'arrête qui pas fait les souvent. corners à droite. Milieu offensif gauche qui fait les corners à gauche. Je fais ça parce Ah, que bonne sinon. interception. Il est sorti de Enfin. nulle part. Il a joué. Déjà, j'aime bien ce qui est bien symétrique, bien parallèle. Donc bon. Déjà pour ça. Et aussi. Parce que bon. Hop. Je l'ai Oh, personne vu. ne peut l'arrêter, il Ah! passe. Non! Penalty! Penalty! Le Carton! penalty Penalty! Allez, sifflé par dégage! l'arbitre, penalty C'est bon! indiscutable. Il y a penalty! Je suis désolé! Oh, c'est un Merci, penalty. au revoir! C'est un penalty, ils vont avoir une Ah non, grosse mais là! occasion de prendre Oh! l'avantage. On va pas pousser, Regardez, hein! c'est probablement le tournant du match. Allez! Bim! Le joueur qui ne tremble pas face au gardien. 1-0! But de Wang Bowen! Bon, sur penalty, hein, je. Je suis pas. Les buts sur pénalty en général, je fanfaronne pas. Donc Cœur bon, du gardien même si là, aujourd'hui, clairement il y avait pénalty, mais hein, face au je veux dire, jeu, il a eu confiance là tu, on peut rien à dire, il y l'opposé. avait pénalty. Bien, 1-0 pour nous.
Voilà, le score qui est donc Wang Bowen, 34e minute. Hop. Est-ce qu'on continue de bourrer? Ou alors on essaie de les laisser venir pour voir s'ils arrivent à venir déjà. Pour voir pour intercepter cette passe. Mon gardien fait la différence ou pas. Parce que bon, jusqu'à maintenant, mon gardien, je l'ai pas vu. Il y a aussi ça, le fait qu'on est trop petit devant. On est trop petit. T'enlèves Julian, t'es trop petit. Hein. Allez. Et ça revient dans l'axe. Double esquive. Ouais, la frappe. Mmh, s'est pas laissé surprendre. Salé. Une occasion manquée. Et je l'ai poussé en... je l'ai poussé hors du terrain comme une merde. Allez, 2 minutes. J'étais salé. C'était pas beaucoup. Bon. Et merde. Il prend sa chance. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il me faudra plusieurs joueurs supplémentaires. Il me faut un défenseur central, certainement, mais ça, certainement que je vais le prendre dans mon centre de formation, une fois que j'en ai un en réserve. Il me faut encore un milieu défensif central, peut-être un deuxième, mais au moins un. Le deuxième, on verra. Un milieu offensif, un buteur, au moins, ou deux, pourquoi pas. Deux buteurs, ça peut être sympa. Ce deuxième match de groupe de la Coupe Européenne Internationale. Ça peut être sympa, surtout, au cas où. 45 minutes de pression dans ce moment pour tout le monde. Ah, il va centrer. Je l'avais vu, les gars, je l'avais vu. Et ça, c'est un des Japonais, mais c'est Gen Tamura, ça, non? C'est pas terminé, même si... Ah non, c'est Chevalier, d'accord. Mais il a une tête de Japonais, Chevalier. Le mec, il a un nom déjà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce nom français. Hein, Chevalier, c'est un nom de vieux. Thomas Chevalier. Le mec, c'est le joueur, tu le rencontres dans les années 20, tu vois. Entraîneur qui a du mal à cacher sa satisfaction sur le banc de touche. C'est joueur de... Oh putain, misère. Bon bah, Thomas Chevalier, qui a un nom français du 4e siècle. du 4e siècle, mais qui a une tête de chinois. En essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. Je sais pas pourquoi il a une tête de chinois, mais bon. Hein ? Bien négocié. Ok. Ça, c'était de la merde. Eh merde! Faut arrêter! C'est bon. C'est arrêté. Tranquille. 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 Allez, Poloma. Allez, Poloma. Allez, Mosen. Et voilà. Tranquille, Mosen. Le petit but de la tête pépère pour le 3-0. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire avec une petite passe décisive tranquille de Poloma. Alors on va mettre Bellecour à la place de Claude Maurice. Le centre, il se démarque la tête, c'est imparable. Donc ouais, vous voyez quand même que malgré que j'ai fait les 3 changements offensifs, j'ai fait tous les changements possibles et inimaginables lors du... Ça va être un changement du match précédent, malgré ça, mes joueurs, ils étaient quand même encore crevés. Hein. Enfin, ils n'étaient pas à 100%, je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il me faudrait même peut-être une équipe C. Le joueur est sur le point de rentrer. Parce que là, je veux avoir au moins une équipe B, mais il me faudrait peut-être un début d'équipe C. Pas forcément les joueurs... Hop, mais merde! Il est crevé, Robey, il faut que je le change. Wang Bowen aussi, il est crevé, faut que je le change. Je peux en changer qu'un seul. Dommage. Bon! On va changer Nestor. Et mettre Mason à la place. Enfin, Masson.
Les deux excentrés, ils vont rester sur le banc. On va mettre Julian à la place de Wang Bowen, mais après. C'est vraiment on ce va le mettre après, on va déjà faire tous ces changements-là. Ouais, le ballon qui file. Donc ouais, il faudrait peut-être que je puisse avoir un début d'équipe C, au moins, je sais pas moi, un ou deux milieux offensifs ouais. supplémentaires. Ouais, lumineux, cette passe. Ça peut être sympa. Non mais hé, ça c'est le doublé de Mosen de la tête quoi. Mais le doublé de Mosen de la tête. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça fait deux pour lui. Un doublé pour ce joueur. Voilà. On fait trois changements d'un coup. Clairement, ce match tourne à leur avantage. Les trois changements d'un coup. Et là, on fait le dernier en la personne de Julian qui va remplacer. Wang Bowen. Hop. On s'approche du but. Et la voilà la frappe. Le gardien qui gagne son donc, peut-être que je vais voir pour avoir un. Pour avoir des milieux offensifs Wang supplémentaires Bowen. Finalement. Parce que bon. Ils vont pas. Dommage. Il lui a manqué quelques centimètres. Ça va mal pour cette équipe et évidemment le public n'est pas content. On va devoir aller chercher un peu plus le ballon. L'autre qui fait trois têtes de plus, tu sais. Bon. On verra bien les joueurs que je pourrais avoir. Ça se trouve, je peux avoir des bons joueurs. Déjà, de toute façon, un défenseur central. Oula, il a laissé sur place avec son geste. Au moins un défenseur central, on verra si je peux avoir cherche un partenaire en profondeur. Plus. Le gardien qui dégage. Hush la frappe. Poloma, Barrett, comment bah vas-y. Il a trouvé moyen de pas marquer. Ah, c'est bien nul, ça, c'est bien nul. Je t'emmerde, Pierre Ménès, je t'emmerde. Au moment de quitter le terrain, c'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. Gnie. On va avoir du changement dans ce match. Ouais, remplacement imminent, prochain arrêt de jeu, je pense. Peut-être un merde. Amorcé avec cette récupération. Je suis mauvais. Ils vont avoir une possibilité de marquer. Ils font tourner. Je vais remplacer Kufo, je vais mettre Pinto directement. Barrett et Pinto. Ça s'agite hein, sur le banc de touche, voilà. Plusieurs changements à venir. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. C'est bon, c'est un peu dégagé. Un tir c'est bon, j'ai pas besoin de l'arrêter celle-là. Que 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Ouais, par contre, Chevalier de la tête, ça n'a pas l'air d'être ouf. Hein. Bien joué, Mancini, pour être revenu de hors-jeu. Attention à la frappe. Oh, le but peut-être. Je crois qu'il était hors-jeu, de toute façon. Oh, c'est dévié sur le poteau. Oh, cette fois, le danger est écarté. C'était une vraie occasion. Fait chier. Il est passé le bâtard. Remplaçant. Alors, bien joué, Masson. Je fais confiance à l'entraîneur. Bien joué, bien joué. Bon. Décide de faire un changement. C'est qui préfère revoir compliqué. Ses plans pour la suite du match. Compliqué de réussir ce genre de match. Bruno Guedo. Oh, c'est dangereux. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Ça va pour l'instant. Xavier Renaud, il a l'air d'être plutôt bon. Et j'ai déjà un blessé. Fait chier. J'espère que ça va pas être trop grave. C'est Marwan Mosen. C'est Marwan Mosen le blessé. Allez, Barrett. Ah oh, non, mais. Ouais, par contre, là, il y a obstruction, monsieur l'arbitre. Voilà, obstruction. Bon.
Ce match est terminé. Bon, j'espère que c'est pas trop grave pour Marwan Mozen. Si, sinon, je vais devoir prendre le petit Julio Demelo un peu plus rapidement. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à laisser un like, les potes, pour cette nouvelle saison et pour le retour de Robayle. Hein, ça fait super plaisir. Hein, faut savoir que moi, j'adore Robayle, hein, mais le problème, c'est que avec les prêts, on ne sait jamais si après le mec, il va vouloir revenir travailler pour toi ou pas. Moi, j'ai déjà eu le tour que en fin d'un prêt, le gars, il puisse pas revenir. C'est dommage qu'ils aient enlevé le prêt avec option d'achat. C'est con. Mais bon. En tout cas, un maximum de likes pour Robayle. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, n'hésitez pas à commenter, hein, je réponds aux commentaires. Et sur ce, moi, je vous dis... à la prochaine, c'était Dean Oliveira. Ciao.